Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, Cook. Merci. Je suis Franck Payen, je vous reçois aujourd'hui pour deux fois deux heures de direct sur la chaîne YouTube Adobe France et nous sommes en direct du Motion plus Design Paris. Oui, alors donc qu'est-ce qu'il faut que je te dise? Eh bien, il va falloir que tu t'expliques aux gens ce qu'est Motion plus Design, parce que je ne suis pas sûr que tous le savent. Normalement, tout le monde devrait le savoir, puisque théoriquement, tout le monde sait ce que c'est que le Motion Design. Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore quelques personnes qui ne sont pas au courant. Motion plus Design, c'est en fait c'est une conférence qu'on organise à Paris, à Tokyo et à Los Angeles, où on invite les meilleurs designers du monde du motion design à venir faire des talks, en fait des conférences. Des conférences, ça dure, c'est quoi, c'est une journée? Alors c'est une journée, ouais, merci. C'est une journée entière. C'est une journée entière. Les conférences sont toutes 30 minutes. On fait toujours 20 minutes de pause. L'idée étant que les designers après leur conférence, viennent dans des espaces dans lesquels ils peuvent rencontrer les gens. Donc en fait, c'est aussi vraiment une journée où les gens se rencontrent. C'est pas seulement regarder des conférences les unes à la suite des autres. Donc ça a souvent créé de belles rencontres et de belles relations, et même entre artistes, entre studios, voilà. Oui, puis j'ai vu qu'il y avait pas mal d'étudiants aussi qui venaient se renseigner. Et il y a beaucoup d'étudiants aussi, puisqu'en fait, on a des tarifs préférentiels, justement pour les étudiants. On est à 15 euros à Paris. D'accord. On fait vraiment une conférence très très abordable. Et on essaie de multiplier ça donc à Paris, à Tokyo, et on a à peu près 800 personnes dans chaque pays en fait maintenant. Bien, bien. Et là c'est donc le 7e épisode, c'est ce que tu me dis? C'est le 7e à Paris, ouais. On a commencé plus petit et depuis 4 ans maintenant on le fait au Théâtre du Gymnase. Ici, c'est un très très beau lieu, très chouette, où on est en mode un peu confort, cosy. Ouais, voilà, c'est ça. On a vraiment voulu créer un événement où les gens se sentent bien. Et encore une fois, vous pouvez se rencontrer. Donc, en fait, on a un espace, une terrasse, en fait, dans laquelle on diffuse en direct, d'ailleurs, le programme, pour que les gens puissent continuer à se rencontrer tout en gardant les conférences pendant la journée. D'accord. Alors, je sais qu'on va sûrement avoir la question de est-ce que ce qu'on va faire aujourd'hui sur le live, c'est le direct de la grande scène? C'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, en fait, c'est une très bonne question, sache-le. En fait, on a mis en place, depuis justement cette édition, un live stream. Alors, donc, notre idée, en fait, c'est que, vu que notre but est toujours de faire en sorte que les gens se rencontrent et qu'on crée des communautés un peu à travers le monde, on s'est rendu compte, là, cette année, on a eu de plus en plus de demandes du fait aussi qu'on se multiplie dans d'autres pays. Bien sûr. De gens qui nous ont demandé est-ce que vous pouvez venir dans notre pays. Évidemment, on ne peut pas faire beaucoup plus que 3 événements par an, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà beaucoup de taf, les 3 événements. Ouais, ça nous prend toute l'année quasiment. Donc en fait, pour répondre un peu à cette demande, on s'est dit on devrait peut-être simplement faire des live streams spécifiques à certaines villes. Et donc l'idée, c'est qu'on donne le live stream à certaines personnes qui sont capables d'organiser eux-mêmes des micro-événements. Donc nous, ici, on a 800, mais la plupart de ces événements sont autour de 100 personnes. On espère que ça va grossir. Il y en a déjà un qui est à 200 personnes, à Taipei. 200 personnes, 200 Taipei, personnes qui sont en train de vous suivre en direct. Ouais. Et ils démarrent d'ici une petite demi-heure là-bas. Alors en fait, non, ils démarrent dès le matin, puisqu'eux, ils sont d'accord. En décalage, sur le fuseau horaire. Voilà, donc eux, c'est la soirée. Ils le regardent jusqu'à 1h du matin. Donc eux sont en vrai live, et puis pour tous les pays qui sont là, parce qu'on est en France, tous les pays qui sont à l'est, là il y aura Tijuana au Mexique par exemple. D'accord. Eux seront en décalage le lendemain soir, en fait ils regarderont, c'est les seuls qui regarderont une rediffusion. Eux ont droit au replay. Ils ont droit à un replay, exactement. Mais encore une fois, voilà, l'idée c'est qu'ils puissent se réunir avant tout. D'accord, ouais, c'est vraiment sympa. Ouais. Nous ce qu'on a mis en place donc avec Motion plus Design cette année, Adobe, vu mine de rien, une bonne partie des motion designers ont quand même dans leur trousse à outils Photoshop, After Effects, quasiment beaucoup d'illustrateurs, pas mal de Cinema 4D aussi, qui s'intègrent avec After, donc ouais, ça fait un petit peu partie de tout ça. Ouais. Puis on commence à être là sur la partie texture, mais je pense que les gens de la 3D ont dû suivre un petit peu cette histoire. On s'est dit qu'on allait profiter de l'occasion pour recevoir donc certains des artistes qui font partie du Motion plus Design. Là, je vais essayer de nous faire avoir en arrière-plan le petit programme donc des deux sessions. Il y a une session qui démarre là, qui a démarré à 13h30, avec, donc si je ne vous dis pas de bêtises, d'abord Peter Clark. And we're gonna call him Peter, or we're gonna call you Clark. But you're gonna come in 3 minutes. on va recevoir Friendly Robot, on va recevoir Philippe Carvalho, on va recevoir Anaïs Mack. Ouais.
on s'octroie une petite pause grandiose d'une minute trente, parce qu'on est un peu comme ça, d'accord, au taquet. Et on fait une deuxième partie avec Frédéric Collin, Nina Lugia-Keyti, Nick Denbauer, et on terminera avec Enis Abbé. Ah, vous avez un très bon line-up là. On a un très bon line-up, merci beaucoup. Bah, ça merci va nous toi. Permettre d'avoir, de voir un petit peu tout le monde. Donc pour les gens qui ont l'habitude de nous suivre sur la chaîne YouTube Adobe France, d'habitude on est tout le temps en français. Là, pour l'événement, on va avoir trois de nos convives qui seront anglophones. Mm-hmm. Donc j'espère que vous ne nous ferez pas trop la tête parce que ça parle anglais et que vous avez un petit peu de mal. Regardez les images, on va se débrouiller pour vous mettre le plus d'images possible. Et derrière, il y a les liens dans la description. Si vous arrivez sur la session de 13h30 et qu'il est déjà 15h30, vous verrez, il y a le lien pour retrouver le direct aussi. Ça, c'est pas mal. Pour le Motion Plus Design, donc pour cet épisode, vous avez fait une bande-annonce, un trailer. Ouais. Qui l'a réalisé ? Alors, Peter Clark, justement, que vous allez voir dans quelques instants, nous a fait l'honneur de faire notre trailer cette année. Mm-hmm. Je sais pas si tu vas le diffuser ou pas. Ouais, ou je pense qu'on va essayer de le diffuser. Ouais. Et du coup, Peter nous retrouve dans une minute. Génial. Merci beaucoup. Merci Cook. À vous. Merci bon à après-midi. Moment. Super. Et à tout de suite. Restez avec nous et échangez sur le chat. À tout de suite. Enfin, pas pour moi, mais à tout de suite. Eh bien, nous revoilà sur la scène du Motion Plus Design, enfin pas sur la scène, sur la scène Adobe. Je reçois Peter Clark. Pour ceux qui nous suivent en français, ça va être en anglais pendant un petit quart d'heure. Rassurez-vous, on devrait réussir à vous montrer des belles images. Hello Clark. Shall I call you Peter or shall I call you Clark? Both work. Both work, but you told me like, call me Clark is your website. I should be having people call me Clark for my brand. Mm. But either works for me. So you're a motion designer. You are responsible for what just happened before that the trailer of Motion Plus Design. Oh yeah. You've been doing these kind of things lately. New trailers, new a lot of glitches. Yeah, a lot of glitch. What's your background around this? Where do you come from? How long have you been doing that? I think my background in motion graphics really started when I went to school at the Savannah College of Art and Design. Mm-hmm. And I think I started getting into more of the glitch stuff near the end of being in school. I had a professor there, Michael Bencourt, that showed me HexFiend, which is a free software, and you can basically destroy your videos, and that kind of got me into this whole, more destroying glitchy thing, glitch. Yeah, just seeing what happens, and then I got to work with G-Monk a lot after I got out of school, and he's really into the glitch aesthetic as well, so I just kept pushing it after school and just tried to find new techniques to do it. No, that's nice. So I'm having your website behind us, and we can see there's a lot of different works. Did you sort them like chronological order, or did you sort them like by preference, by pride? It's relatively chronological. The further down you go, the further back in time most of them go, and then there's an archive section too that's like stuff from school. Mm-hmm. These are kind of the older ones here at the bottom. Is there at one moment one of the videos you did that would be like something that revealed you to the greater audience, like you've got now with Motion Plus Design? Which one guide me? Oh, it's hard to say.
I think the Game Awards a little further down. I've done the Game Awards for a few years, but that one, yeah. 2015? Yeah, this one I think was the first time a client reached out and just asked me to direct something, and he picked it out for the glitch and just said, you know, just do what you want to do. Mm. And I think because the audience for the Game Awards is huge, like so many gamers saw it and it was live streamed all over the world, I think this was kind of the first project I put out and people said, okay, he can direct a small team, he can, you know, work with people to get promo pieces out. And so a lot of other promo work came from this one. Oh yeah, of course. And when you're talking about a team, how many people does that involve in that kind of project? This one I think was like 4 or 5 people. I worked with some of my really close friends in San Francisco, Connor Grable, which he goes by Bedtimes. He's super good. A friend from school, Chase Hockstetter, he goes by Nighthawk. And then a bunch of other friends helped us. Like, we shot a lot of it in camera, so we had some help with production. But I really like working with small teams. It gets very stressful when you have more than 4 or 5 people. Oh, I can imagine that. Yeah, it must be a bit complicated to get everyone on stage. But the kind of projects you do are always like short movies, or did you happen to do like a middle or long? Most of the longer stuff I've done is like projection mapping pieces. So I did a project with G-Monk called Currents, which I think he's showing right now. It's set up in another country, but I think that thing's like 2 or 3 minutes long, but they're usually installations. Most of my work is for promos, music videos, short titles, which I think my style is usually very fast. A lot of really quick edits, so it lends itself better to a 30-second time limit or a minute, because going longer than that, I think my editing style would kind of wear people out a little bit. Too many strobes. You think you're gonna have like people failing, like? Yeah. Okay, that can be dangerous. Yeah. How did you decide at one moment that you'd be doing motion design? There was definitely a very definitive moment where I moved away from graphic design and wanted to focus on motion. And it's when I was in college. We had a department at SCAD called Motion Media, and the students put on, it's kind of like a small conference, and they call it CoMotion. And I remember it was just a free event, you could just go in, and they had a bunch of studios that would come and show their work and interview students. And I believe it was Clip Collective was showing the reel, which is all huge projection mapping pieces. And I just wandered in to see who was speaking, saw the reel, and it just blew me away. And I thought, I want to make this kind of stuff. And went outside, asked the guy at the table, said, what major will allow me to do this? And he said, oh, motion media. And so you got in? Yeah, I double majored. I kept the graphic design major, but I had an illustration minor that I dropped so I could double major and just fully embraced motion graphics ever since then. Really nice. When you're working with your visuals, the more it goes with time, you're working a lot with analog glitches. You told me like the way you built the motion plus design title was not only After Effects, but it was also a real CRT television. Can you describe that? Is there a place where I can find? Yeah, if you click on the link for the project and then you scroll further down, so you keep scrolling way down at the bottom. I kind of break down the sections, and so the glitch effects were essentially, I made the whole edit in After Effects, and then I ran it through a processor that is called the Dream Weapon, and it's built by a company called Tachyons Plus, and they're based in Florida. And what they do is they modify old 90s video gear. So you can see these photos are the piece of gear. So it was originally meant for
in the 90s doing color correction and fixing video. Oh, okay. And so after they modified it, when you turn those knobs or flip those switches, mm-hmm. it just makes all sorts of crazy glitches and just... So you're taking a straight signal and you're making it like go completely bonkers. Yeah, and just crazy. And it is interesting because if you do it with a CRT television, it looks one way. If you mm-hmm. connect it to a projector, it does a whole different look. Connect it to a plasma screen, it looks totally different. So it's a really unpredictable piece of hardware, and I think that's why I really love it, because I don't know what I'm going to get. And you still get the happy accident. Yeah. But, yeah, it's a good place. Digital one. Yeah. No, that's very funny. That's very interesting in that way, because if I scroll up, so those are the images you build first. Like, mm-hmm. There's a real shooting. There's a... Yeah, for this final scene, I filmed through a piece of plastic that kind of mm-hmm. makes this faded silhouette, and filmed my girlfriend coming up to the edge, just convinced mm-hmm. her to, you know, just like turn her head, get the silhouette, and then I processed that through the glitch pedal, and then put that back into a 3D scene in Octane to mm-hmm. get that final shot. That's good. That's very good. And if I go further with all the animals, did you do your own modelization, or did mm-hmm. did you find like a free model online? How did you do that? It's so funny. So I did all the photogrammetry of these mm-hmm. skulls myself, because I really wanted to generate my own assets, mm-hmm. but there's an artist, I think it's Bilelis. He does like crazy skull renders. It's just so beautiful. And he came out with a skull pack, which has mm-hmm. one that looks just like these. Mm-hmm. And it came out, I think, like 2 days after I gave the title sequence to Cook. And really? I thought, oh, everyone's going to Everybody's going to think you just got that one. Yeah. But also, the skulls are so much nicer than the mm-hmm. photogrammetry that I did. But I really like going in and doing it myself, because going into the store that had all the skulls in it was so fun, because I got to meet the people who ran the store and see how their day-to-day was. And also, the photogrammetry models were super glitchy. There were a lot of problems with them, and so that kind of added to the aesthetic of the piece. Yeah, because the glitch is what you add, but if it's already there, you're not going to remove the glitch, you're not going to clean. It's not like a Hollywood project where everything has to be like ironed. Yeah, and I don't know anything about ZBrush or like how to really fix up a model, so I just embraced the issues with them. And at first, when I watched the trailer, I was like, okay, everything has been designed first in Illustrator. Mm-hmm. And then I realized part of those are completely like handmade. Oh, yeah. The salt, the grain. How do you... Yeah, this is a technique that I've been trying to bring into a project for a while. I saw it at a science museum in San Francisco, where people had a vocal microphone, and it connected to a big metal plate, and when you'd sing into it, it would make different sand formations. Mm-hmm. And so I bought a smaller version of it for a project with G-Monk a while ago, and we sort of used it a bit, but it didn't work out as well as we thought it would. And so for this one, I just used salt on this metal plate, and when I changed the frequency, that would make the salt form into these kind of sacred geometry patterns. Yeah, for the harmonics and Yeah, I saw that kind of work online too. Yeah, and then I could time remap them in After Effects, and they'd look like you animated it in like X particles or something. Yeah. So it's real particle, and you have to clean everything after. Yeah, that's good. That's very fine. How long did it take to get all the information from Cook and to give him the final render? So I had basically 2 months for the whole project. He had to wait to give me the actual titles. He just told me there would be 7 title cards and that I had to show the sponsors at the end. So the first month, it was more I was just thinking about the idea of what I wanted to show. And then the second month, I had all the titles, and it was a little stressful because I was working freelance during the day, so I could only make this at night and on the weekends. So it was
you know, a lot of late nights with the TV turning knobs. And did you have like the neighbors upstairs like, oh, what are you doing? Guy? Oh no. My roommates were very interested. I used them to critique things. I'd, you know, show them the edit, say, is this cool? What do you think about the music? And, you know, get critiques as I was working, which was really helpful because it's easy to get lost in a project like this. Yeah, I can imagine that. Well, thank you very much. That's very good. I'm going to abandon you. I'm going to send you back to the big room because you're sort of doing a breakup on stage. Yeah, Project. I have to jump up there soon. Yeah. You still got a couple of minutes. Okay, that's good. I'm sure we would find people. So thank you very much. Yeah, thank you. And see you in a while. Yeah, bye. See ya. Thank you. Merci. Donc on va poursuivre en fait sur notre après-midi. Je vais recevoir dans quelques instants Friendly Robot qui va venir s'installer avec moi. On va se mettre une petite pause, silence, carton, et je l'installe. Merci à tous. Oui, parce qu'en plus, comme tu as changé trois fois d'Insta... Et... C'est vrai. Tac. On est en ligne. Bien, alors très bien. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui nous ont suivis, vous avez peut-être eu un petit peu peur parce qu'on était passé en anglais. On va revenir en français parce que c'est un Friendly Robot, mais qui parle français. Ouais, exactement. Alors, présente-toi quelques secondes avant qu'on te mette, avant qu'on reprenne ton écran ou le mien d'ailleurs. Ouais. Okay. Rassure-toi, on est là. Donc, moi je m'appelle François Leroy. J'ai comme pseudonyme Friendly Robot. Et en fait, je suis motion designer. Après, je sais pas si je me situe vraiment dans le motion design. Pour moi, c'est quand même un terme un peu, pour moi, un peu trop général. Qui veut dire énormément de choses. Donc, pour moi, je suis plus un espèce de designer, en fait, en général. Je fais du concept art, d'accord, du motion design et de la DA, quoi. Voilà. Et quand on parle de direction artistique, il y a un des projets sur lesquels tu as travaillé qui s'est retrouvé bien primé précédemment, c'est le projet Passage. Exactement, ouais. Qui est un projet en collaboration. Web avec Ashtorp, du coup, qui est à San Diego. D'accord. Et que j'ai rencontré l'année dernière, donc on était en mai, je crois. Et en fait, on s'est rencontrés, on a parlé sur Skype en premier lieu. Et en fait, on a parlé pendant à peu près une heure parce qu'en gros, moi je le connais. Et j'aime beaucoup son travail depuis 2-3 ans. Et lui, en fait, avait découvert mon travail avec, du coup, une vidéo précédente que j'avais faite qui s'appelle No Signal. D'accord. Avec un astronaute. Et en fait, il m'a dit que, ton taf, c'est cool, moi, j'aime le tien, etc. Donc, on s'est mis à parler, etc. Et là, en fait, après une heure de discussion à peu près sur les sujets qu'on aime, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de goûts en commun, de sujets en commun, et qu'on veut tous les deux, en fait, faire des short films assez cool. Ouais. Du coup, on a décidé de travailler ensemble pendant, du coup, ça a duré un an. Un an de travail. Voilà.
En fait, ça a duré 13 mois exactement, la fabrication de Passage. Mm-hmm. Donc, sauf que, bon, entre-temps, on a travaillé sur d'autres projets aussi ensemble. Mais voilà, du coup, à partir du moment où on a commencé jusqu'au moment où on a fini, mis en ligne, ça a duré 13 mois. Mm-hmm. Et du coup, on a fait cette vidéo qui au final, condense un petit peu nos goûts, ce qu'on aime, notre vision des choses. Surtout sur toute la partie imagerie, réalisation du coup. Alors là c'est vrai que ça, si jamais nos auditeurs nous disent tiens on n'a pas le son, vous pourrez tout à fait vous la regarder en boucle après, hein, c'est dispo sur Vimeo, on la retrouve sur ton site Behance, on la retrouve sur tes différents réseaux. Effectivement. Comment vous avez construit ça? Est-ce qu'il y a un breakdown de ça ou pas? Exactement. En fait, sur le projet Behance, c'est assez documenté. On va passer sur ton écran dans un instant. Peut-être. Hop. Ok. Voilà. Tac, tac. Ok. Donc là, on va être chez toi. On va regarder les still frame. Ok. Je ne sais pas si on a besoin du calque ou pas. Comme ça, voilà. Boom. Ok. Donc, en gros, le projet Behance, hein, largement bien documenté sur en gros tout ce qu'on a fait. Mm-hmm. Je descends. Tu descends parce que c'est tout en bas que vous avez caché. Exactement. Et en fait, il y a toujours des projets Behance à rallonge. pour pouvoir complètement détailler. Parce que je pense c'est exactement ce que vont chercher en termes d'inspiration, en termes de compréhension aussi. Exactement. Et là, du coup, je suis en train de passer sur une série de posters qu'on a fait, en dehors de. Du film. Mmh. Assez intéressant d'ailleurs, tout simplement parce que le film en soi, c'est plus un espèce d'univers qu'on a essayé de retranscrire. Et pour nous, le film ne se suffit pas en lui-même. D'accord. En gros, on a décidé de faire des espèces de posters ou des espèces de side illustrations à côté pour continuer à jouer avec toute l'imagerie qu'on a créée. Mmh. Je vais aller vers le. Vers le. Behind the scene, qui doit être par là. Voilà, ok. Super cool. Donc ça, c'est les premières choses qu'on fait, D'accord. Pour moi, d'ailleurs, c'est assez important en général, avant de créer quelque chose, quand on est sur un projet, c'est de simplement définir les bases du projet, l'idée et le storyboard. Donc là, la première page, ce qui est assez intéressant, parce que je trouve que c'est pas forcément... très commun, mais on a décidé de visualiser les couleurs du film avant quoi que ce soit. Quand tu dis les visualiser, c'est un mood board à partir de films qui vous inspirent. Voilà, exactement. On a décidé de montrer les couleurs avant même une image. Mmh. Parce que les couleurs sont par exemple le rouge, le bleu, etc. sont des couleurs auxquelles on associe des émotions forcément, qui ont un mood, un panel d'émotions qui va avec chaque couleur. Et on a fait la timeline du film en couleurs avant quoi que ce soit, avec évidemment des références de tous les films qu'on aime tous les deux. Alors là il y a du Alien, il y a du Alien, il y a du 2001, l'Odyssée de l'espace. Mm-hmm. Il y a du Mad Max, je crois, aussi. Enfin bref, il y a tous ces... plein de films qu'on aime tous les deux. Et puis après, le storyboard. Donc une fois que vous avez fait les couleurs, vous savez comment vous allez l'organiser. Voilà, ouais. Et du coup, ça a été vraiment un choix, une gradation. Là, tu passes du rouge au bleu. Voilà, c'est ça, ouais. On a essayé de passer de couleurs. Au final, ça a changé. Mais c'est assez important, la durée de... un projet évolue forcément, mais en tout cas, la période de pré-production est quand même assez importante pour juste visualiser ce qu'on fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, qui, à chaque fois qu'on leur demande quelque chose, etc., qui vont tout de suite aller essayer en 3D ou vraiment se jeter dans leur logiciel favori. D'accord. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai pu faire, mais que j'ai vraiment quitté depuis. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si j'étais pas capable de mettre des mots sur une idée ou même juste faire un croquis vite fait sur un plan, c'est simplement que je ne le maîtrisais pas. C'est simplement que c'était tu ne pouvais pas l'expliquer, c'est que tu l'avais compris. De manière simple. Et c'est un peu ce qu'on a fait là, c'est-à-dire que quand on regarde le storyboard, ce n'est pas forcément du grand concept art ni des grandes illustrations, mais c'est juste très 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 simple. Ça a pour but d'être juste... lisible et utile. Et si on peut simplifier une idée en quelques traits, c'est en général c'est quand même qu'on
qu'on maîtrise un peu, que vous êtes allé gratter au fond. Ouais. Ce type d'échange, alors, tu me dis donc, d'abord la couleur, puis le storyboard. Vous avez fait un phasing de ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut même dire, c'est de toute façon d'abord la discussion. Bien sûr. Ensuite la couleur et ensuite le croquis, le storyboard donc qui est là. Ça s'est passé comment? En fait, on a juste voilà. Je crois que c'est moi qui a posé le premier storyboard. Ensuite on l'a vu tous les deux. Il a été retravaillé par Ash. Ensuite retravaillé par moi encore. Et puis on est parti sur un truc qui nous plaisait voilà à mort tous les deux. Mm-hmm. Et en fait on a dès le début en fait on a décidé parce qu'en fait dans cette vidéo il y a une voix off. Ouais. Voilà, et en fait, dès le début, on a décidé de faire voilà, quelque chose en lien avec un texte. Donc là, on peut voir l'ébauche du texte, qui est en fait une citation de Darwin dans son livre sur la théorie de l'évolution. Mm-hmm. Quelque chose qui a changé hein, depuis. Mais voilà, on a tout de suite voulu amener une voix off, quelque chose peut-être d'un peu plus narratif. D'accord. En tout cas, qui contrebalançait peut-être le côté trop contemplatif de notre film. Parce que c'est quelque chose quand même d'assez... surréaliste, c'est un enchaînement de tableaux finalement, ouais. C'est un enchaînement de tableaux en zoom infini vers l'arrière. Donc voilà, et là en fait on peut voir des exemples de ce qu'on a, ouais, on a croquité comme ça. Mais encore là, il y a pas tout hein, parce qu'on partait vraiment de dessin à l'arrache dans Photoshop, et en fait, voilà. On a le droit d'être familier, tout va bien. Ok, c'est cool. Et en fait, bah voilà, là, c'est des croquis qu'on a fait sur des, sur des animatiques. Et alors, il y a quand même, enfin, sur ce moment-là, vous commencez à arriver quand même avec le relief. C'est un peu, on commence à avoir un peu 3D dedans. Là, en fait, on a passé un peu l'étape dessin que, enfin, là, qu'il n'y est pas, en fait. Mm-hmm. On a passé vraiment l'étape dessin. Là, on commence à aller un peu plus loin en mode on va commencer à faire du blockout dans ces 4D hein, donc c'est le 3D qu'on utilise blockout et ensuite on va décider de ce qu'on met, des idées qu'on a, etc. petit à petit. D'accord. Toujours en fonction de l'idée qu'on a avant, l'idée de base, le croquis de base. Mm-hmm. Et ensuite on améliore les choses si besoin, etc. On expose nos idées, on en discute et on le fait. En fait ça a été franchement une collaboration assez fluide à ce niveau-là, assez cool justement de pouvoir avoir ce genre de débat en fait à chaque fois qu'on fait quelque chose. C'est vraiment un film qui a été fait vraiment à deux, tous les deux à quatre mains totales. Il n'y a pas eu c'est Ashworth qui travaille. Non, en fait c'est en fonction de toute façon de notre temps et de notre les dispos par rapport au projet, à côté, parce que tous les deux on travaille à côté en fait. Et aussi surtout en fonction de voilà si on est à l'aise avec telle chose ou telle chose. D'accord. Je veux faire ci, je veux faire ça, mais concrètement il n'y a pas une seule chose sur laquelle on n'a pas bossé tous les deux avec au moins deux ou trois reviews. Voilà, donc on a, donc moi j'habite à Paris. Ouais. Lui à San Diego. Diego, tu dis, ouais. Ouais, c'est ça. Donc en gros, on a 9 heures de décalage, mais ça n'a pas posé trop de problèmes. C'est plutôt assez cool d'ailleurs comme décalage, puisque nos journées c'était quoi? C'était en gros, le soir en fait. Lui, c'était sa matinée. C'était son créneau, il pouvait. Donc lui, on commençait à travailler ensemble le soir, lui, sa matinée. Boum, moi, j'allais me coucher, il allait travailler pendant ce temps-là. Et quand je me levais, lui, c'était sa soirée. On se faisait toujours une réunion sur ce qu'on avait fait pendant que je dormais ou lui dormait, et on continuait comme ça tous les jours. Uh-huh. Oui, du coup, ça permet d'avancer. Et de peut-être aussi de pas s'interrompre, ouais. D'avoir du coup un fil conducteur dessus. Voilà. Ça a quand même duré longtemps, mais c'était comme ça. Donc en gros, on a utilisé donc là on voit Cinema 4D. Ouais. On a clairement on voit ZBrush. Ici là, ce qu'on peut voir cette espèce d'iris là, d'œil, c'est du Houdini. Mm-hmm. Franchement, je crois qu'on a utilisé à peu près 10 logiciels différents. Ça a été fait avec Substance. Ouais. Painter, là, c'est cette espèce de placenta. Ouais. Ça, c'était les différentes versions, justement, du premier plan. Avec les itérations aussi, au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure, en fait. On a d'abord utilisé le rendu connu Octane Render. D'accord, ouais. On est allé sur Redshift Render juste après. Bref,
En 13 mois, on a fait, mais... Le vrai parcours des gens qui font de la 3D, c'est-à-dire changer trois fois de moteur, complètement, rajouter des plugins, complètement. Réparer des cartes graphiques qui brûlent. On a eu de la chance. Mais, d'ailleurs, on a eu de la chance, mais on a dû rendre notre film sur une render farm australienne, d'accord, qui s'appelle Rensolve, super cool. Mais ça a été le problème hardware, ça a été... Mais en fait, c'est juste qu'on est passé par plein de choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on cherchait vraiment le process le plus rapide. Je trouve qu'en fait, aujourd'hui, il y a tellement d'outils, il y a tellement de logiciels que, en fait, on peut un peu s'y perdre et vraiment se perdre dans un logiciel. Et pour moi, en tout cas, le plus important, ça reste toujours quel est le plus rapide. Quel va être le plus rapide et peut-être aussi quelle va être l'image finale, ce que tu essayes de récupérer à la fin, ça doit complètement influer sur le... Pour moi, les logiciels n'influent pas trop sur l'image de fin, dans la mesure où, franchement, quand même, c'est toi qui la fabriques, c'est toi qui l'as en tête, et tu sais où tu vas l'amener, où tu dois la pousser, où tu dois l'arrêter. D'accord. Mais c'est juste que, pour moi, il y a plein de logiciels qui vont faire à peu près la même chose, etc. Et c'est juste, le ratio rapidité-qualité, en fait, qui est le plus important. Mm-hmm. Donc, donc on a utilisé une dizaine de logiciels, et on l'a ensuite compé sur... After Effects. Directement compé sur After pour pouvoir récupérer, je suppose, les multipasses, les lumières. Exactement. Il n'y a pas eu beaucoup de compos non plus, dans la mesure où on essayait quand même d'avoir des images 3D assez claires. Mm-hmm. Mais il y a eu énormément d'allers-retours. Et d'ailleurs, là, c'en est un parfait exemple. Ce que je montre là, c'est quelque chose qu'on a modélisé en espèce d'humain coupé comme ça. On a modélisé sur ZBrush entièrement et puis finalement on l'a pas utilisé. Voilà, c'est comme ça. C'est lancé, on se dit que c'est dans le pipeline et que ça va passer. Ouais, et en fait, du coup, on a dû passer 3 semaines dessus et en fait on l'a pas utilisé. Alors, c'est comme ça. Alors pourquoi on n'utilise pas nos trucs? Finalement, on s'est aidé d'un scan qui est là pour remplacer ce personnage. On avait peur en fait de ce qui s'appelle l'Uncanny Valley. Alors je sais pas si. Ouais. Je ne sais pas si le public sur Internet... Uncanny Valley, pour ceux qui nous suivent, vous voyez à peu près à quoi ça correspond ? Explication. En gros, c'est juste que à partir du moment où on commence à vouloir faire un humain photoréaliste, donc réel, en 3D ou n'importe comment d'ailleurs, c'est juste ultra, ultra, ultra difficile. Et en gros, plus on s'approche de ce qu'on peut trouver réaliste, plus on va tomber justement dans quelque chose d'assez monstrueux parce que notre cerveau va reconnaître... Que ça a l'air humain, mais en fait ça l'est pas tout à fait, et ça va créer un espèce de sentiment weirdo hyper monstrueux. Ouais. Des fois, il faut juste soit s'éloigner totalement du photoréalisme et le cerveau l'accepte comme un style à part entière, d'accord, plutôt que d'essayer de coller en fait à la réalité et ne jamais vraiment y parvenir et faire quelque chose de totalement horrible. Et en fait, on avait peur de cette Uncanny Valley en créant notre propre humain en fait dans cette brush. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'on y est d'ailleurs dans l'Uncanny Valley, c'est-à-dire que ce personnage est assez étrange en vrai. Donc on a décidé d'utiliser un scan, et d'ailleurs le scan... Et du coup de retrouver un vrai humain. Et d'ailleurs le scan 3D, je pense que franchement, très honnêtement, à part gagner du temps sur la production, je pense que le scan 3D est aussi là et était aussi inventé justement pour annihiler ce problème d'Uncanny Valley que je pense tous les modeleurs du monde... Commence à rencontrer. Oui, clairement, ouais. Surtout aujourd'hui, quoi. C'est vrai que quand on était sur les parties 3D, il y avait toujours la question de l'optimisation, réfléchir à comment t'allais gérer tes lumières, comment t'allais gérer ton minimum de polygones si tu faisais du jeu et ton maximum de détails si tu faisais du rendu. Mmh. C'est vrai qu'un ZBrush a été un peu une révolution à l'époque. Et puis, avec l'amélioration des textures, tu parlais tout à l'heure, c'était sur l'œuf et le fœtus, vous étiez sur Painter. On a été sur Painter à beaucoup de moments quand même. Sa texture à lui, donc là, c'est pas def, c'est un c'est un espèce de behind the scene, mais sa texture finale, l'espèce de flèche comme Saint-Sébastien là, encore. Et sa texture a été faite sur Substance. Ce que je peux montrer qui a été fait sur Substance, c'est-à-dire ça aussi par exemple. Ouais. Le casque, Substance, ça a été vraiment assez cool. Aujourd'hui, de pouvoir faire des textures comme ça avec Substance, c'est top, vraiment top. On voit d'ailleurs la création ZBrush en pleine dans l'Uncanny Valley. Donc ça, c'était des tests de hash avant. Ouais. Voilà. C'est à chaque fois des heures et des heures de recherche, d'ajustement. En fait, plus de temps à chercher qu'à créer. Alors oui, d'ailleurs, pourquoi? Pourquoi, en fait, vu que c'est quand même un projet personnel, pourquoi s'infliger autant? Ouais. Tout simplement parce que
pour nous, en fait, les images, un film doit quand même toujours conserver son sens, quoi qu'on en fasse. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose, par exemple, de méga beau, méga stylé, qu'on trouve méga cool. Ouais. Et si ça n'a rien à voir avec l'histoire, ou si, ça, voilà, si on commence à faire un hors-sujet, on préfère l'oublier. Vous préférez le supprimer, tant pis. Voilà. Du coup, ça donne quoi? Ça donne qu'en fait, en gros, du coup, on fait beaucoup de pré-prod sur les images, simplement parce qu'on veut être sûr qu'elles collent parfaitement au sens qu'on veut... y donner, et en fait c'est, ça peut être très compliqué parce que voilà, on s'est pris la tête quand même pas mal pour être sûr de pas s'éloigner totalement du sens qu'on veut donner. Alors en fait Passage c'est un peu particulier parce qu'il est un peu c'est un peu un truc un peu philo barré, mais en fait voilà, nous on l'a découpé en fait en il y a 6 plans et en fait les 6 plans racontent quelque chose de différent. Mm-hmm. C'est comme une espèce de narration comme ça, et du coup on a taffé plan par plan comme ça, à faire d'accord. Ok, on le fait pas, il y a vraiment des détails qui ne se voient d'ailleurs absolument pas. Ça c'est souvent... le principe un petit peu des détails de film, c'est la matière que tu rajoutes et finalement elle passera à la trappe. Exactement, par exemple pour ce plan là, donc c'est un espèce de vieil ordinateur qui a été d'ailleurs, H l'a fait sur Fusion 360, d'accord, full logiciel quoi. Voilà, donc il l'a fait sur Fusion, il l'a texturé sur Substance, et en fait il a voulu mettre le plan, c'était un espèce de, ouais, un moniteur sur une espèce de colonne romaine cassée, etc., un peu à la civilisation romaine, enfin en gros, un peu pour comment dire, parler voilà d'une civilisation un peu en déclin. Mm-hmm. En fait cette espèce de moniteur dessus, donc nous on a appelé le plan l'Empire Monitor. C'est un peu comme si le moniteur était un espèce de dieu qui gouverne tout, et en fait dessus, ou un peu comme une espèce de tour de Babel, d'accord, sur chaque touche il a mis en fait il a mis de l'hébreu, il a mis des hiéroglyphes, il a mis vraiment toutes les langues sur chaque touche du clavier, comme si un peu c'était un peu l'ordinateur de... puissant quoi, voilà. Sauf que ça ne se voit pas du tout dans le film, puisque lire sur le... C'est un petit peu ce genre de détails qui font le travail de recherche sur l'ensemble. Et comme les colonnes romaines étaient cassées, donc symbolisant un peu la chute d'une civilisation, d'un empire, il a commencé à taguer ça dans Substance, donc on le voit là, avec... Enfin bref, tous les détails sont toujours ramenés par rapport au sens propre de l'image, et si ça n'a pas vraiment sens, on retire. Et du coup... je sais pas si on va le voir. Est-ce que c'est pas du coup ce fait de choisir de retirer les éléments, de pas les voir, de pas y accéder, est-ce que c'est pas un petit peu ça le but sur un artiste, c'est-à-dire d'enlever tout le superflu de... Ah ouais, complètement. En fait moi je me retrouve beaucoup dans l'espèce de phrase qui dit quelque chose est parfait pas quand on peut rajouter quelque chose mais quand on peut rien enlever. Mm-hmm. Ça c'est vraiment quelque chose qui me parle, et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire, et ça a été totalement le cas sur Passage, quoi. Vraiment à 100%, et ça a été vraiment un projet très cool à organiser, à suivre. Ouais, d'ailleurs là on voit plusieurs propositions de plans qui n'ont rien à voir. Mm-hmm. Voilà, ça c'est toutes les élucubrations de ce plan-ci. On a vraiment c'était vraiment différent à chaque fois, et en fait on a tout enlevé à chaque fois parce que c'était à chaque fois... C'était nécessaire de pouvoir... Ouais. Tu gardes l'indispensable, tu gardes l'essentiel, et tu conserves le sens de ton image. Voilà, là on s'est dit par exemple, ça veut rien dire, ça sert à rien, boum, on change, on va vers quelque chose de plus proche de ce qu'on veut, etc. Enfin bref, c'était les recherches. Et ça a été principalement des recherches. En fait, du coup, voilà, donc en gros, ça a été principalement des recherches, et c'était dans ce sens-là où c'était vraiment, vraiment intéressant de collaborer là-dessus... Mmh. Ouais, c'est vraiment intéressant. Enfin, c'est ce qui me plaît aussi justement dans le fait de faire de la DA, de faire des films, etc. C'est vraiment de pouvoir aller plus loin chaque fois. Ouais. Et moi, personnellement, je me sens beaucoup plus proche maintenant, en fait, plus d'un espèce de concept artiste plutôt que d'un motion designer, justement parce que à la base de base, moi, je suis plus illustrateur, je dessine en fait depuis gamin et tout, et en fait j'ai été amené au motion design simplement parce que un concept art c'est vraiment super beau, mais quand tu le vois bouger c'est encore mieux. Mm-hmm. Et en fait moi mon truc ce serait vraiment de se dire ok, je vais faire des concept art qui bougent quoi. Et du coup si on remonte un niveau sur ton Beyonce, il y a le projet Signal, c'est ça? Ouais, No Signal, tout à fait, qui est là, boum, yes. Très
presque. Je vous propose de le mettre en arrière-plan pendant qu'on termine tranquillement. En lecture ? Ouais, vas-y, fais un play. Il y a des sons ou pas, non ? Non, okay. Il n'y en aura pas besoin. Ok, super. Comme ça, je vais le parler, mettre... mets-le en plein écran. En grand. Il devrait jouer. Ok, cool. Okay. Du coup, tu pourras nous raconter un petit peu. Ouais. Tu vois, donc, ouais, effectivement, c'est d'abord le dessin, le concept, et réussir à faire bouger tout ça. Ouais, voilà, parce qu'en fait, je pense que j'ai beaucoup plus d'importance à la composition d'une frame, ou même ses couleurs, etc., qu'à son animation. Voilà. On n'a pas forcément le retour son sur le plateau. Ça va permettre de réveiller un petit peu les gens dans l'audience. Je ne sais pas où vous en étiez, si vous aviez commencé. Ça ouais, normalement, ça devrait aller. On devrait voir des hurlements de gens. Donc, ok. Donc, ouais, qu'est-ce que je disais ? Ah oui. C'est d'abord en fait, la frame en tant que telle, avant son animation. Mm-hmm. Je pense que, voilà, dans une image on peut raconter suffisamment de choses. Il y a quand même beaucoup d'émotions qui passent par... les lumières, les contrastes, les couleurs, forcément là, voilà, où on place les éléments, etc. Premier plan, arrière-plan, tout ça. Mm-hmm. Et ensuite, quand ça bouge, bah, ça prend vraiment un espèce d'autre sens qui est beaucoup plus magique. Ouais. Mais voilà, moi, mon truc serait plus de composer des images, mm-hmm. plus que vraiment le motion, comme on pourrait l'entendre, qui vient vraiment du... Comment dire, c'est vraiment de la science de l'animation, presque en dehors de toutes ces problématiques d'image, en fait, au sens propre. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, c'est complètement... Alors, rien dire, mais... C'est vrai que le champ du motion design est tellement vaste, tellement de styles d'artistes, de manières de travailler. Moi, j'ai connu ce champ, c'était vraiment beaucoup de graphisme 2D, de typo, etc. Et on arrive maintenant à des frontières entre le film, qui sont très très fines. Tout à fait, c'est pour ça que je ne sais même plus ce que c'est que le motion design, ou comment l'appeler, ou même comment appeler ce que je fais ou ce que j'aime faire, simplement parce que oui, au début, c'est vrai que... Voilà, il y a quand même le motion design 2D, typo, etc., super léché, super cool, super beau, super dynamique. Et maintenant, on arrive, dû justement à la facilité d'apprendre un logiciel, par exemple, avec tous les tutos qu'on peut trouver sur Internet, etc., voilà, tout le monde apprend tous les logiciels, et il y a vraiment des nouvelles mouvances qui se créent, des short films de 2 minutes qu'on appelle motion design, qui sont beaucoup plus influencés par le film ou le jeu vidéo, plutôt que vraiment du graphisme pur. Et ça change et ouais, c'est, mais par contre du coup c'est super cool que ce soit si vaste. Carrément. Voilà. Et ben écoute, je te remercie beaucoup. Je pense que ça nous fait une bonne introduction à ton travail. Merci d'être venu avec nous. Merci aussi aux gens qui nous suivent. On va poursuivre tranquillement la session. On va se faire une petite pause, un petit carton pour inviter Philippe Carvalho dans quelques minutes. Et ça va être à nouveau en anglais. Donc rassurez-vous. On va reprendre et on essaiera de vous traduire ce qu'on peut. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Merci.
Eh bien, bonjour à ceux qui nous reçoivent et qui nous retrouvent seulement maintenant. Welcome, Philippe. Thank you. Donc, cette partie de la session va être en anglais, puisque mon invité parle plutôt anglais. Donc, si jamais vous êtes perdu sur ce qu'on se raconte, regardez les images, essayez d'apprécier et de comprendre un petit peu tout ce qui se passe. So, Philippe, I'm gonna speak English for everyone. Thank you. And they're not gonna, not everyone is gonna understand that. Where do you come from? I come from Lisbon, Portugal. Mm-hmm. That's where I was born, that's where I'm based, and that's where I've been working for the last few years with American studios. Good. Yeah. So, from Portugal, you can work in America? Yes, that's what I found out too. I didn't know if it was possible, but mm-hmm. 10 years ago I gave it a shot. And I've been working remotely with studios across the United States. And it's been working fine. They don't really care where you are. As long as the work is good, they'll mm-hmm. work with you. Yeah. Oh, that's good. That's interesting. What kind of design field do you... Do you follow what are you doing? if you're asking about my background, I'm mostly self-taught. Mm-hmm. I didn't go to art school or design school at all. I used to be I started a little bit as a graphic designer back in the day, back in the 90s. Mm. And I was a web designer for almost 7 years, I would say, 7 or 8 years. I was a creative director by then at a small agency back in Lisbon. But then I decided that web design wasn't for me. It was a lot of programming, too much programming. Too much programming? Too much programming. How can that be too much? Yeah, definitely. it's not something I like. So and I've always loved film, especially American TV shows and American films, Hollywood stuff. So I decided to make a move for it, and mm-hmm. that's what I am now. Good. Yeah. So now, how long has been now? It's been actually it's 10 years this year. I started in 2009 as a freelancer, and it's 10 years now, 2019. Yeah. So is there some kind of anniversary party? Well, 10 years as a freelancer. do you celebrate that? I probably should, right? Mm-hmm. Maybe I'll do something in October. That's when I started. That's a good point. I should celebrate. Yeah. If we're gonna switch to your screen so we can see your website. My work. You don't say Philippe Carvalho. You just say random thought pattern. Yeah, that's when I started out. A lot of the designers had this thing about using fictitious names, mm-hmm. Like almost like stage names, show names. Uh-huh. And I did the same thing. I don't really regret it now, but I wish I could have philippecarvalho.com, but it's not mm-hmm. available, so I'm sticking to what I have. There's another one using your name to do motion design. Yeah, there's a Brazilian guy, I think. But it's fine. Mm-hmm. So yes, this is my website, and this is the work I've been showing lately. You want me to go into one? Yep. Pick the one that would be like... Right. I was expecting you to say that. I have no idea what to choose. Because you don't... All of your movies are not just black and white films, are they? No. not at all. Right. So maybe I'll talk either about Counterpart or the first one. It's probably best to talk about the first one that got me into this whole mess. You're the one calling that a mess. Right, so The Architect is a little backstory. I started working, as I said, 2009 with studios in New York and Chicago and Seattle. And over the course of 2 years, I was having a steady flow of work. I couldn't complain, doing a lot of stuff for TV shows. Okay. But I wanted to get into the Los Angeles scene. I wanted to get into movie titles. Okay. It was a clear decision on your side? I really wanted to try that. Because I tried working with US studios, and I got it. I got in. And now I wanted to try something else, which was going deeper into the rabbit hole. I wanted to work with... working on movie titles, especially. Okay. And I knew that most of those were happening in Los Angeles. Okay. But the thing with Los Angeles is it's such a huge market. Everybody's mm-hmm. there. All the good studios are there. All the good production companies are there. So you get a lot of challenge. Yeah, so there's a lot of talent there. Mm. There's a lot of really good designers there.
So there was no real reason for any of them to work with somebody out of Portugal remotely. So I had to kind of prove myself. And what I did was I came up with this idea of creating a fake title sequence with fake names and about a fake movie. Everything was about it was fake. So I, during the course of almost 4 months, I was still working at the full-time job that I had and also working at night for US studios. And I also came up with the idea of doing this. So I did everything. I did the concept, came up with the ideas. I did all the research. Then I eventually shot it live action in my home studio. I edited it, and Jesse Solomon Clark, a good friend of mine from Chicago, did the music for it. Oh, that's nice. Then we released it, and I sent an email to Blur Studios, because Blur Studios was working with David Fincher back in the day. They still are. And I really wanted to work with David Fincher. So I sent this email to Blur, and they really liked it. And I started to work with Blur Studios as a freelancer. So I got in the LA market. Good. And never stopped ever since. I'm going to display while we're talking, so people just grab a part of it. And that's where it all started. Focusing on everything needed. Yes, this is when I really started to work on main titles, which is what I'm known for now. So up until then, I hadn't really done any main title work. I think I had pitched on a couple of occasions for Chicago studios. But this is what really launched my thing with working in title sequences. So this is all shot with a friend's camera. I didn't even own a camera. I got a friend to lend me his camera, a really cool lens he had, really good macro footage that I got. I bought a bunch of different materials at a Chinese store across the street, little glass cubicles and all the lines, the little figurines, little architecture figurines. I bought a bunch of those, only used one, but you know, I had to buy like 100 of them because they come in packets of 100. So you still have them as a memory of that time? I wish I had, man. They they got lost in one of those house moves we did. So I don't have any behind the screen stuff or anything. I wish I did. So yeah, and at the end there you can see David Fincher. So that was kind of my thing about sending it to Blur and trying to get to David Fincher. Trying to get in. It was like, I didn't work on that one. Yeah. No, I still haven't worked with David. I wish I did. How do I ask? Can you escape it? Yeah. So that's the very first project. Yes, the very first that got me into title sequences. Yeah. And after that one, did it work? It got a lot of attention, especially attention from studios, because they were looking for somebody who had an art direction inclination and not just a technical proficiency. So that's what I, most of the studios bring me over to work on ideas, have ideas for things, and not really about executing those ideas all the way through, which is what I'm doing lately. But I'm mostly known for coming up with concepts. So you're the one doing the concept, and you've got. Do you direct the team, or is there like another director? No. Then the once the concepts get approved, then it's an internal team at the studios that hired me. Okay. Then they actually execute the project. So this one was another big one. I think about a year after I worked on The Architect, I had a chance to work on, maybe I'll just play it and play it, and we're going to put it in the background. So this one was for Cosmos, the opening sequence for Cosmos. This was a very good project for me because unlike most projects where you're pitching against other companies and seeing which one wins, this one was straight out of Fox. They wanted the studio that hired me, Big Block, to execute this. It wasn't a pitch. They were going to do it. And so the creative director there, Curtis Doss, approached me because he wanted me to come up with a concept. Okay. So it wasn't spread all over a bunch of different people trying to come up with ideas. I had the ideas for, along with Curtis,
the ideas for what the concept should be, the whole thing underlining the whole sequence, and we did it. And it's all about going from macro to micro. So really large thinking, you know, the supernovas and the stars and all that, and then thinking microscopic stuff, bacteria. Yeah, exactly. So how do those things connect? So to me, I found a visual way to represent that. So if you think about a satellite dish, it's also it also looks like an open umbrella, right? Yeah. So that's the way you can connect these things. So it was really successful. It was nominated for an Emmy, and the You can scroll with Yeah. That's fine. Thank you. And so these are some of the behind the scenes. This is some of the research that I did, starting to think about the frames here, and also if you can recognize some of the architect shots here, because I was thinking about when idea was Neil deGrasse Tyson was the host of the show, and I thought, well, what if we have all these space imagery and microscopic stuff happening on his table? So his table would be a professor's table, right, with a lot of books and his glasses and whatnot. So I use some of the architect's imagery for as a base for that idea, but then we went with something else, which is what you see in the sequence. So these are the frames. So the guys really recreated all the star things, or did they get like NASA images? Or I think they recreated, if not all of it, most of it off of actual reference from NASA. Okay. And I also use a lot of imagery from NASA for my frames. Because I think they've got like a huge public domain images. A lot of great stuff on there. I had to dive really deep into that stuff when I was doing my research. So yes, they recreated all of this, and I'm showing the frame, but the way I usually work is I spend a lot of time doing research. That's the most amount of time I spend on a project, is just doing research. And by research, I mean going through, you know, Google search, Google imagery, Pinterest, Flickr, and also just going through books or magazines that I have. Okay. I really like Wired magazine, for instance. That's a big inspiration for this one. And then I spend, when I have an idea, I go into Photoshop. I've been using Photoshop for 20 years now, so I really know my way around it. I can even fake some of the 3D stuff. I can fake on Photoshop, just photo bashing stuff. Photo bashing together. Stuff, finding the right light, right angle, exactly. And everything on that. Yeah, I've been doing photo bashing for a long time. I didn't even know it was called photo bashing until recently. I think they just named it. not so long ago. Yeah. People used to do it, and now there's a name for it. Mm. Yeah. So I've even had people come up to me and say, "How did you do that if you don't do 3D?" I said, "It's Photoshop, man. I find it. I make it work," which is it works for me. And when I do need 3D, I work with the 3D artists that help me out. Yeah, of course. So maybe find another one to talk about. Well, we can talk about Counterpart. Okay. So Counterpart, we started, by me I mean Imaginary Forces, which was Karen Fong as the director, and I was the concept designer for it at the initial stage of the process. Okay. So they had this pitch for Counterpart and for the main titles, and I helped, Karen reached out, which is it's actually funny, because Karen, I had worked with Karen Fong before on a couple of projects, and she knew my work pretty well, and she knew the architect. She remembered the architect from back in the day. So if you look at these frames, there's some stuff here that kind of... The cubicle, all the lines. Right, and the little man here. And so she thought that my thing with the architect could be useful for Counterpart. She didn't have a concept per se, but she liked the tonality of the architect. So she knew it could be used for... Yes. And so she gave me a briefing. She gave me a couple of ideas to think about. I went away for a week, and I came up with these frames and the concept for the title sequence.
So this is like a week of frames of. This is a week of frames. That's crazy. Yeah. Oh yeah. That's one thing that working with American studios, most of the time you have like 3 to 4 days. Okay. Sometimes you get a week. Sometimes you get 3 weeks. The most I've had was a month working on this CBS rebrand a couple of months ago. But these things don't usually go that long. You gotta you gotta find the idea fast. You learn to work fast over the years. You learn to make quick decisions of how to go, where to go, where to stop. Yeah, you kind of start knowing what works. And if you and again, if you do your research correctly, if you really spend some time doing the research, you'll know what works, what resonates with the show. And this one really did. The client really liked it. We did a couple more versions of ideas, but they really liked this one. And then I went away for about 4 months. I didn't see any of the project, and the Imaginary Forces were working on it. Okay. And then I basically only saw it when it almost went on. I saw it before it went on air. They did a great job. And we won the Emmy last year for this one. It was really nice to be on the movie, obviously. I'm going to LA for the first time. I've never been to. We shouldn't. At one moment, I'm gonna find how to cut the sound. So I went to LA for the first time last year, and for the Emmys, and they do a lot of pre-Emmys parties and get-togethers, and I actually got to meet most of the people I've been working with for the past 10 years. So that was really cool. So this is Cinema 4D, and there's a lot of live action here. They shot the, this is live action, this is live action. And most people can't really tell what's Cinema 4D and what's, and what's live action. Some of the pro guys who work with Cinema 4D, they kind of, they came up to me and said, is that Cinema 4D? And I was like, no. Did you push it that far? Or yeah, and I was like, no, this is live action. And they went, oh, okay. Now I can breathe. Calm down. And yeah, because that looks really, really, almost like it was shot because it was. So this was a really fun one. And the thing with this project is, which doesn't happen all the time, is all the ideas, almost all of the frames I did, the typeface choice and the everything that's down there and the logo, those are all my ideas, and the client approved and they went on air, which doesn't happen often. So it was really cool to see all my work on screen. I can imagine it's part of that. it's part of the pride to see it like that. It never gets old, you know, just watching your stuff on screen, it never gets old. I can talk a little bit about this one. This one was there's something particular about this project. This was again with the Imaginary Forces, a pitch. Okay. Right after Counterpart, we were pitching on The Terror for AMC. Okay. So this was a very, very fast turnaround, which means I had like, Karen said, Philippe, do you have some time to work on this other one? And I said, sure. She gave me the brief and I had one day to think about something and just show it, because she had a meeting the next day. The next day, and you have to deal with her. Yeah, and I had to just go, just ideas. And I like having that pressure, and having one day kind of means that, well, you have one day. You have one day, and you're not going to spend 6 months on the project. And you're not going to drag it on. Yeah, exactly. Yeah. You're not going to drag it on over time and make decisions and go back. No, this is it. So she left me alone for one day, and I came up with keyframes. So these aren't an actual narrative flow, because most boards of frames have a narrative to it, which you can follow. But this one just has individual moments. So the first frame, the second frame, the third frame, these are all different moments from what would be a title sequence. Okay. So I, again, photo bashing a bunch of different stuff. And most of, if you open my Photoshop files, which I don't recommend because they're mostly a mess. They're a mess, but they're yours and nobody's supposed to see them. Yeah. But if you open my Photoshop files, they're very, very simple. Not a lot of layers, not a lot of filters at all. It's just
when I get to Photoshop, my ideas are pretty much clear in my head. So mm-hmm. it's just executing those. I do spend a lot of time grading shots, so okay, finding yeah. the right tone, the right colors, and type. Type is also a big thing. But you know, actually constructing the frame, mm-hmm. it doesn't really take me that long. Okay, because it's a lot of photo bashing. Yeah, it's the kind of work that you really get faster yeah. with time because you know where to place your light. And well, and I don't on the project that I work on, I wouldn't have the time to go into Cinema 4D and sculpt mm. or ZBrush and sculpt stuff because mm. by the time you would render it out, it's too yeah. late, right? Yeah. Plus, anything that you do in 3D would have to be rebuilt for yeah. the final piece. Exactly. So it's like a kind of a waste of money. Yeah. And when you have like 3 to 4 days to work on something, mm-hmm. it's not like you can go into ZBrush and sculpt, right? Yeah. You can go into Cinema 4D and set up your lights or whatever, but mm-hmm. you know, actually modeling, and that's not gonna happen. Well, that's interesting to get that, like behind the scenes thing, yeah. and not only the technical process, but also understand that the thinking of, okay, yeah. I'm mature enough not to work on useless stuff. And yes. Useless might be important for preparation. Yeah. But then if you have to give things. That's actually a big thing for studios, because studios are paying you by the hour or by mm-hmm. the day. Oh. So they expect you to come back with ideas and execution of frames pretty fast. Mm-hmm. And it's not like you can tell them, well, I'm working on this model. Mm-hmm. And they'll be like, sure. Okay, send it. But we got to see it, right? Mm-hmm. And you can't really send, you can't spend 3 days and just send a rough model. Okay. It's got to be a pretty finished frame. So that's their expectations. So that, to me, that says, well, I'm going to stick to Photoshop and photo bashing and get my ideas out mm-hmm. and looking pretty great. And then they can build it out if it's a good idea enough yeah. for it. They can build if it the idea is enough, anyway, yeah. it gives the basis for any creation exactly. on their yeah. part. And if needed, if the client really likes it, then mm-hmm. there will be more time to either shoot it live okay. action yeah. or getting some photography done. Or just start building all the assets in mm-hmm. 3D. So that's my process, and that's what studios bring me over for, just working on concepts like that. Okay. That's the methodology. What kind of things do you still hide here? Wait, this is not what I wanted to do. So one other project that I can probably talk about a little bit mm-hmm. is this one for semi-permanent. Okay. I did the opening title, so I'll just play them while we put it big screen. Yeah. So, again? I think the sound is off, right? No, it should be off. So this is the. It's the main title for. Okay, it's invert. C'est bon? Okay, sorry, it was the color fine. Was inverted. So semi-permanent is a design conference in Sydney, Australia, mm-hmm. and they reached out for me to do the main titles for 2016 event, and for this one I directed the piece, and I got together a pretty large group of people. Mm-hmm. It was all shot live action. I think it was around 10 different locations, 40 plus people, you know, moving mm-hmm. moving around, a bunch of different cameras, getting shots, and then we did this. And that the thing about this project is, I had a poem that was supposed to be read throughout the whole piece, and we needed mm-hmm. a good voice for the reading. And semi-permanent has a lot of good context. So they tried Nick Cave. They talked to Thom Yorke from Radiohead. Mm-hmm. At some point, I think they even talked to David Fincher. But those are all. Well, actually, Thom Yorke wanted to do it, but he was releasing his album back then, so mm-hmm. he couldn't do it. Yeah. And then we got to Tom Waits, and Tom Waits read the thing, and mm-hmm. That's his voice that you're. Listening over. We're not right now. Yes, but I hope other people are. No, I just want to be like
don't look for it. It's not what you're gonna hear right yeah, now. Yeah, yeah, okay. And I think people can get it. Yeah. Okay. So I'm showing the credits now. At the end of the sequence, you'll see it as a rather large team. This was all done pro bono, no budget, so I thanked these people a lot while I was in Sydney presenting the thing. It was a lot of fun to do. A lot of fun to do. Shooting is always a lot of fun to do. Yeah, I don't know if you want me to go into any other projects, or you want to talk about something else. That was a really nice one. I see that you've got a photography part in your blog, in your website. Do you still use it a lot? You do photography, like yeah. I haven't updated this part of the site in a long time, just because I, you know, I haven't had the time. I still shoot a lot of, even just here in Paris. While for Motion Design Plus, I've been shooting around, around the city. I love doing that. I shoot almost always in black and white, because that's the way I like shooting photography. Mm-hmm. And these were shot in New York the first time I went to the U.S. As a tourist with my wife years ago. And all those shots, because we can see the a clear link between the ambience of your photographic shoot and what you're going to put in the movies, the color, the alignments, the... I think you can almost trace back some of these photos to work I've done. It's not something that's conscious for me. I'm not thinking about the photos I took. But sometimes when I'm working on something and then I'll look at the photos and I'll think, oh, this is almost the same shot. It's a subconscious thing. It's that's just the way my mind works. So first taking the pictures, getting inspired. Yeah, I wish I could do that more. Mm-hmm. There's not a lot of time to do it. But every time I can, I shoot. Live action or just photography. Yeah. Thank you. Well, that was a nice show. Thank you for your time. Thank you. So we're going to make a small break right now, because I'm going to invite on stage an iceberg, and we're going to take a 1 minute break, and it's going to be back in French for a couple of minutes. Thank you.
Et nous revoilà donc à l'antenne, et cette fois-ci en français. Donc on fait que du passage français, anglais, etc. J'espère que l'audience va suivre. Je reçois désormais Anaïs Mac. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le live sur la chaîne YouTube Adobe France. On va passer quelques minutes ensemble, un petit peu plus. On a une grosse vingtaine de minutes tranquille où tu vas pouvoir te présenter. Alors, qui es-tu ? Alors, Anaïs Mac, je suis réalisatrice motion designer. Oui. Et ça fait 4 ans maintenant que je travaille en tant qu'indépendante pour du générique, de l'habillage, que ce soit sur de la fiction ou du documentaire. D'accord. Et de la publicité aussi. Ok. Et depuis ces quelques années où tu es sur ce type de projet, tu as accumulé de l'expérience sur tout ça au fur et à mesure. Tu viens d'où avant? Alors moi, à la base, je viens plutôt du VJing, donc ouais. Tout ce qui est performance live, d'image, de montage sur du son, d'accord. Donc vraiment plutôt de l'événementiel. Mm-hmm. Où, moi, j'ai une expérience plutôt de sampling, réutiliser des images. J'ai commencé à vouloir en créer moi-même et pas juste sampler des vieux films, etc. D'accord. Et c'est comme ça que je me suis un peu dirigée vers le motion design. Et à côté de ça, je faisais aussi des installations plutôt numériques, de vidéomapping, ce genre de choses. Mm-hmm. Mais avec des lacunes techniques, clairement. Je pense qu'à un moment, j'étais arrivée à bout de ce que je pouvais faire avec des volets vénitiens en transition et un dégradé 4 couleurs. Donc j'ai fait une année au Gobelin en motion design, histoire de reprendre un petit peu de niveau. Le volet vénitien, je pouvais pas, ça pouvait plus durer, quoi. ça passe au début, quoi. Ça. Ouais, après, là, j'avais quand même, du coup, ça, c'était en les Gobelins en 2014-2015. Ok. Et depuis, je continue un peu à faire du VJing, mais c'est vrai que c'est moins au cœur de ma pratique, maintenant. Bien sûr. Quand tu as commencé le VJing, c'était quoi ? C'était des copains dans des clubs J'ai fait ça de manière un peu intense pendant 2-3 ans. Ouais. Et ouais, c'est vraiment du club. Il y avait aussi des accompagnements plus sur des concerts avec de la musique live. Mais sinon, oui, surtout de la musique électro. D'accord. Et du coup, c'est des sets qui sont très très longs avec un rapport à la durée qui n'est plus du tout la même maintenant sur des vidéos qu'on conçoit comme ça. Là, il y avait ce côté un petit peu de montage et de remont. Enfin, je viens plutôt du montage vidéo à la base. D'accord. Et le montage vidéo, c'était pareil. C'est bon. On est en train de remonter quand même. Ouais, c'est ça. On aurait dû commencer dans le sens de mon école maternelle. Voilà, alors. Donc, du montage vidéo, et tu faisais du montage sur des réalisations à toi, ou tu travaillais pour des... La réal, il y avait de la captation vidéo, j'ai été assistante monteuse sur des longs, voilà, même si ça restait des choses autoproduites, ou alors du making-of, un peu de prise de vue réelle. Ouais. Mais voilà, c'est plutôt de là, et après, petit à petit, avec le VJing, le mapping, etc., j'ai commencé un petit peu plus à comprendre ce qu'était le motion design, cette sphère un petit peu à part, quoi. D'accord. Et du coup, si on regarde tes projets, alors je sais que tu as des projets sur le site, anaïsmac.com pour ceux qui sont intéressés. Où est-ce que tu nous guiderais ? Peut-être dans le côté chronologique, justement, vous montrer quelques images d'un VJ set. Donc bien sûr, c'est un petit peu difficile, je pense, de se rendre compte dans le côté le compte rendu et pas la performance en tant que telle, mais au moins il y a quelques images. Mm-hmm. Donc je coupe le son, c'est ça, hein ? Ouais, il faut couper le son sur Vimeo, sinon Richard hurle. Okay. Je vais essayer de pas... C'est gentil. Alors par contre, est-ce que ça charge ? C'est une autre question. Oui, si, normalement ça charge et il se rattrape derrière. Donc là, c'est vraiment des boucles vidéo qui sont essentiellement faites sur Photoshop. C'est des trucs super simples, avec surtout des utilisations de brush. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment ce côté un petit peu répétitif. Et toujours avec, dans le VJing en tout cas, l'idée pour moi en tout cas, c'est de faire passer le maximum d'humour et de blagues et d'être dans quelque chose qui soit un petit peu dans ce décalage-là. Mm-hmm. Donc c'est vrai que c'est des projets, ces performances où je pense qu'on peut se permettre d'être un peu plus léger, on va dire, que sur d'autres projets, notamment quand on accompagne des réalisateurs sur des génériques, etc. Où là, c'est vraiment une autre approche. Une autre approche. Là du coup, tu as quand même plus de liberté, plus de choix. C'est une sorte, un petit peu de moment où on peut plus se laisser aller et explorer des choses. Mais ça, ce projet commence à remonter un petit peu.
Après quoi, bah, peut-être plutôt en, là il y a des projets de clip, mais peut-être en générique plutôt. Ouais, vas-y, vas-y. Là, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'était un web documentaire sur les survivalistes. Donc, okay. Ces gens qui pensent que la fin du monde est bientôt proche et bah, mm-hmm. vont essayer de s'y préparer. Et l'idée, le travail avec le réalisateur, c'était vraiment de réfléchir à un habillage, c'est-à-dire title design, générique, mais aussi des séquences d'animation, qui ne soient pas dans quelque chose de trop apocalyptique, et qui ne soient pas dans quelque chose qui soit plus de l'esthétique du jeu vidéo, un petit D'accord. peu. Donc c'était un peu prendre ça à revers, à contre-pied, et de se dire, bah non, on va essayer d'avoir une approche qui soit moins dans ce jugement un peu très épique et de drama. Mm-hmm. Du coup, là, je vais vous montrer... Alors, on va couper le son pareil. Images. Donc ça, c'est le bunker, où c'est un garage pas loin de chez le réalisateur. Ouais, qui doit rester anonyme. Il ne fallait surtout pas donner la localisation des bunkers, parce qu'ils avaient peur sinon que les gens viennent, etc. Donc c'était vraiment... Et là, le travail, c'était d'être dans des séquences de reconstitution. On s'imaginait un petit peu quelles étaient les craintes ou les préparations des différentes personnes qui avaient mm-hmm. été interviewées, ouais. avec une utilisation de l'animation assez... assez simple, mais qui est déjà en fait dans quelque chose de mix média, où on va mettre et prise de vue. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, moi, en tout cas, que j'essaye souvent de creuser, parce de que je trouve que c'est... Parce ouais. que, et du coup, à chaque fois, c'est reprendre le, voilà, reprendre le lieu, générer la, c'est ça. Gérer le dessin. Et ça, peut-être pour essayer de comprendre un peu comment on en est arrivé à cette esthétique-là, au final, je vous avais préparé quelques... Tu nous as préparé des moodboards, ouais, des explications exactement. Un petit peu, c'est cool. Ça peut être... parce que ouais, l'idée, c'était vraiment de se dire, ok, alors si on est dans du survivalisme et qui n'est pas dans du jeu vidéo, etc., trouver une autre esthétique. Ouais. Et une des idées qui était apparue, c'était un peu de penser notamment aux références dans les manuels d'avion, dans les trucs d'évacuation, ouais. où il y a ce côté hyper paradoxal, où on est dans une sorte d'illustration super naïve, et en même temps, on est quand même en train de parler de quelque chose d'un peu sérieux, donc essayer de jouer là-dessus. Et l'autre solution... auquel j'ai commencé à réfléchir, c'était plutôt de partir sur le manuel, en fait, le côté presque D'accord. manuel IKEA, donc hyper froid, pas du tout épique, mais c'est aussi une manière de rationaliser et de dire quelle va être la marche à suivre dans ces cas-là. Quelle va être la marche à suivre, voilà. parce qu'en mode, en temps de panique, Exactement. Forcément avoir le temps de penser à tout, c'est et ça. Ne pas oublier la clé du bunker. Les survivalistes, il y a ce côté très pragmatique en fait mm-hmm. qui est présent. Donc le manuel ou le plan d'évacuation, ça me semblait être une piste intéressante à creuser. Ouais. Il y avait une troisième un peu option qui était plutôt vraiment dans le côté on va jouer à la guerre ou dans le côté ludique de faire comme. Mm-hmm. Où là il y avait plutôt ce côté de maquette, etc. Donc ça c'est vraiment que des images de rêve. Enfin, c'est vraiment du mood board. Et finalement, ce qui a été sélectionné, choisi. Ouais, c'était plutôt en fait un vieux bouquin sur la typographie rationnelle. D'accord. Où en fait c'est un traité sur comment est-ce qu'on va créer une typographie, comment le tracé rationnel de la typo. Mm-hmm. Et il y avait cet aspect-là que je trouvais assez intéressant. On a un peu l'impression de voir en même temps une sorte de carte vue de haut avec des plans, etc., d'évacuation. Et en même temps, il y a ce truc super clean, quoi, entre guillemets. Donc ça, c'était différentes propositions de logo. On va retrouver ces pointillés, on va retrouver les flèches et en même temps ce côté checklist. Et finalement, c'est ça qui... On a terminé un petit peu là-dessus. Ouais. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de suivre un petit peu vraiment à partir d'une approche d'un réalisateur et mm-hmm. d'une thématique, comment est-ce qu'on va retranscrire ça un petit peu, comment la traduction graphique, elle va se mettre en place, quoi. C'est, ouais. c'est toujours un petit peu l'enjeu, et moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment dans le générique et l'habillage en général, quoi. C'est d'avoir cette occasion-là un peu de faire ce pont. Et voilà. Nice. Donc ça, c'était un premier gros boulot, premier... Ouais, ouais, ça, le donc dernier... Donc ça, c'est celui ouais. qui... C'est le dernier en date, C'est le dernier en date, il est ouais. encore en ligne sur France TV/, un truc comme ça. Donc D'accord. si vous voulez voir des survivalistes français, n'hésitez pas. Et alors, est-ce que tu les as rencontrés Non, moi, je suis vraiment arrivée en plein dans la post-prod. Donc, il y avait encore une ou deux journées de tournage qui ont été faites à ce moment-là. Mais non, moi, c'est ce qui est... Dans le générique, on arrive quand même pas tout le temps. Et des fois, on peut être appelé... Mmh. dès le début même du travail de l'écriture, mais Bien souvent sûr. T'es quand même là pour te dire ok, on va faire avec, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi. Peut-être en générique, en tout cas un autre générique sur lequel j'avais travaillé, c'était Divine, réalisé par
Ouda Beniamina, et ça c'était un projet un peu stressant parce que je crois que je terminais tout juste Les Gobelins. Donc c'était le baptême du feu, comme on dit. Ouais, vraiment baptême du feu, et c'était assez sympa parce qu'en même temps la plupart de l'équipe était en même temps, pour la plupart, c'était des gens qui faisaient leur premier long. Ouais. Donc c'était chouette. J'ai travaillé avec Loïc Lallemand qui était au montage là-dessus. Mm-hmm. Et l'idée, en fait, de la même manière, en fait, il y a Ouda qui est venue et qui avait cette idée-là en me disant que son film, elle voulait le traiter vraiment sous le point de vue de quelque chose qui était relié au divin, ouais, au religieux, quelque chose un petit peu comme ça, et comment le transcrire graphiquement dans le générique. Mm-hmm. Sachant qu'elle avait déjà cette idée de séquences Snapchat où elle avait, ouais, confié un appareil à ses actrices qui devaient improviser un petit peu là-dessus. Et l'idée, en fait, de mêler ces séquences Snapchat, donc hyper actuelles, où on a vraiment l'impression d'être plongé un peu dans l'intimité des personnages dès le début, ouais, il fallait trouver un moyen de... dans les pré-cartons, les cartons financiers dans le générique de fin, de faire un petit peu le pont entre cette modernité-là et le côté plus religieux du film, sachant que le titre à la base s'appelait Bâtarde. Donc il y avait vraiment en plus ces sortes de contradictions entre ce thème religieux qu'il fallait aborder et ce truc de... Donc il y avait cette idée pour moi un petit peu de la filiation, notamment, mmh, dans le côté bâtarde et d'une filiation non reconnue. Et c'est pour ça que dans le générique notamment de fin, alors ça rend très mal quand c'est pas... Ouais. C'est bon, je sais pas, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Ok, ça a l'air de passer, je l'ai pas entendu hurler. En gros, l'idée, c'était de reprendre un peu ce que je lui ai proposé, l'idée du palimpseste. Je sais pas si tu vois, ouais, ce que c'est, mais c'est ce truc de, quand le papier était un petit peu précieux, de se dire qu'on n'allait pas, on devait pouvoir le réutiliser. Mmh. Donc les gens, à l'époque, effaçaient vraiment les feuilles de papier quand les écrits étaient plus considérés comme utiles, mmh, et on recommençait à écrire. Mais ce qui fait que sur ces morceaux de palimpseste, je pense que j'en ai quelques-uns... que je peux vous montrer, on voit toujours la trace des écrits qui ont précédé. Donc le palimpseste, c'est vraiment cette forme où il y a toujours un petit peu ça. Et l'idée, c'était dans le générique, où c'était un peu le générique, le lieu du patrimoine et, mm-hmm, du crédit, de se dire, bah, réutilisons cette... Ce qui a déjà été exactement. Donc ça, c'est, par exemple, c'est avec des extraits de palimpseste que j'avais récupérés. Et ce qui fait qu'à la fin du crédit, donc je ne sais pas si c'est... hyper visible, mais à la fin du crédit, normalement, on doit pouvoir voir, vu que chaque crédit s'effaçait pas totalement, une sorte de trace du crédit précédent. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, qui fait une somme qui s'accumule. Bien. En tout cas, c'était un autre projet, plus de... Ouais, c'est marrant, du coup, de se dire que... Là, tout à l'heure, on recevait Peter Clark sur le glitch. Ouais. Et du coup, le palimpseste, c'est un peu l'ancêtre du glitch sur le papier en fixe. Mais carrément, et je trouve que ce travail de la texture, et enfin, mm-hmm, le Carvalho qui était là juste avant, tu sens que, ouais, c'est hyper important aussi chez lui, et vraiment ce truc de... Mais au-delà même du compositing, quoi, mais vraiment, mm-hmm, du travail de la texture, et dans ces mélanges... là, c'est Peter Clark, où j'ai l'impression que moi, j'étais passionnée par le fait que son teaser, il y avait ce côté un peu... Fait à la main, ça bouge, ça, ouais, c'était hyper vivant, hyper granuleux, mmh, tout le temps. Mais carrément. Et c'est vrai qu'il avait présenté tout le côté avec la glitchbox, le CRT, et refilmé. Ouais, c'est ça, tout le process qu'il y a derrière, mmh, où on va mélanger un petit peu toujours des outils analogiques qu'on va combiner ensuite avec, mmh, des logiciels. Je trouve que c'est quand même une approche aujourd'hui qui est hyper intéressante, ou en tout cas, moi, j'essaye un petit peu de mettre au cœur de mes expérimentations de manière hyper modeste, tu vois, mais quand même qu'il y ait toujours ce truc-là de passage à quelque chose qui soit hors écran à la base, quoi. Ouais. Et je pense que justement, le dernier projet sur mais ça, c'est un projet perso, vraiment une collaboration, mais c'est ce projet où, en gros, l'idée, c'était de collaborer avec une photographe et une maquilleuse, mmh, et de se dire, OK, alors comment est-ce qu'on va mélanger prise de vue réelle et notamment maquillage avec des animations ensuite par-dessus. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est une femme qui prend un bain, elle est peut-être dans un état second, on ne sait pas tout à fait, et elle va commencer à divaguer, donc c'est un petit peu les animations, et en même temps, il y a ce truc où tu sens qu'elle joue avec la caméra, et du coup, il y a un peu ce côté... Truman Show avec les réseaux sociaux, quoi, de mise en image de soi, etc., et de jeu. Et c'est vrai que ça, c'est un projet où, même si c'était à la base vraiment une expérimentation pour voir ce qu'on pouvait faire avec de l'animation tradie, je vais couper le son. Ça a l'air bon. Le son, ça a l'air bon. Ouais, visiblement. Et du coup, voilà, l'idée, c'était vraiment d'avoir ces télévisions au début qui nous plongent un petit peu, nous, en tant que spectateurs, dans ce regard sûr.
mm-hmm. et ensuite de la suivre elle, même si on sent qu'elle est, ça nous place aussi dans une position un peu voyeuriste en fait de base, avec les animations qui vont venir progressivement à l'image. Et où là, pareil, moi ce qui m'a intéressé, c'était vraiment ce travail de texture et de grains hyper légers, vaporeux, et qui viennent accompagner les images, quoi. Et j'aimerais bien à terme essayer d'en faire un filtre, parce que j'ai l'impression que maintenant les filtres Instagram, bientôt la phase de bêta, elle va passer, donc tout le monde pourra un petit peu proposer, ses filtres. Et je pense que justement en motion, ça va être super intéressant d'avoir un petit peu cette ouverture-là dans quelque chose de... Donc voilà, j'ai commencé à regarder, mais j'ai l'impression que le logiciel, pour l'instant, en tout cas, il est... C'est pas encore ouais, ça. Ça va peu à peu se développer, non. C'est une chose à la fois, je crois, de leur côté aussi. C'est ça. Mais c'est trop chouette, quoi. Les choses commencent à s'ouvrir dans le côté transmédia, où tu sens qu'une vidéo qui peut sortir va pouvoir être accompagnée d'une sorte de... que ce soit de filtre ou de suite, etc. Du coup, ouais, ça, c'était le dernier projet qui m'a... Donc, franchement, c'était hyper chouette de collaborer même avec plusieurs corps de métier. Oui, carrément. Parce que là, du coup, il y a la prise de vue, il y a le dessin, il y a le mélange. Ouais. Et ce que tu me dis sur le passage de ça en tant que filtre Insta, c'est un petit peu revenir à ce que tu faisais sur le VJing, où tu étais sur du moment. Oui, carrément. De l'ordre de... Je pense qu'il y a ce truc-là qui peut être un peu frustrant en motion, où une fois que le projet est sorti, le moment où tu l'as sorti, il passe de manière hyper fluide, alors que dans la performance, que ce soit du VJing, etc., ben, on est un petit peu dans un ici et maintenant qui est quand même chouette, quoi, dans ce rapport presque comme dans la musique, quoi, je pense, vraiment, ce truc-là. Après, peut-être plus en pub, parce qu'au final, je crois que là, j'ai moins montré ça. Après, ça va être de la... rapidement, un truc pour Deliveroo, où ils nous ont... Enfin, j'ai travaillé avec une boîte de prod là-dessus, mais où ils avaient vraiment un peu un rapport de confiance, donc on a pu aller assez loin. Alors, c'est en allemand, alors c'est pas hyper compréhensible. Pas mal de... C'est vrai. Le truc, l'avantage. Le gros avantage de l'avoir en allemand ou en français, sans le son. Mais ouais, du coup, là, l'idée, c'est vraiment d'être dans quelque chose d'assez léger, mais on va mélanger que ce soit des vieux sons d'animation avec de l'animation par-dessus, un montage hypercut, et quelque chose où on va juste mélanger les médias et les médiums pour arriver un petit peu à ce genre de choses. Et donc, du coup, avoir vraiment le côté... Bah, tu parlais de la texture, mais donc on en retrouve... dans les prises, on en retrouve dans les éléments, les vieux plans. Bah, c'est Du coup, tu as la typo hyper à plat, très graphique. Carrément. Et je pense que c'est aussi comme ça. Enfin, même avec le format Snapchat, etc. Enfin, avec une texture de les vieux... Enfin, si on voit une image d'archive, on le sent tout de suite et ça nous dit quelque chose et ça nous plonge dans une atmosphère. Du coup, jouer un peu de ces contrastes-là, je trouve ça intéressant aussi. Mais ça, je pense que c'est le truc le... vraiment... pub, quoi. Après, il y a des choses où c'est plus pour de la parfumerie de luxe, donc on est dans quelque chose qui est peut-être un peu plus edgy, en anglicisme, mais voilà, où là, je vais vraiment travailler sur le collage, et je pense que comme c'est une pub pour la parfumerie en général, on sent qu'il y a vraiment ce côté d'essayer de poser un univers et de transcrire le côté olfactif, donc ça reste vraiment des images plus posées, mais où là, pareil, techniquement, moi, je vais rester sur des outils vraiment assez simples, quoi. On est beaucoup sur des compositions sur Photoshop. Après, ça va être du cut. Et c'est vraiment la composition de l'image. Quoi, la composition de départ, tes choix d'équilibre, tes choix de forme, etc. Ouais, carrément. Et d'essayer de... Donc là, il y a un peu de papier découpé. Il y a ce côté un petit peu de stop motion qu'on va essayer de reproduire là pour le coup sur After, mais c'est surtout ça dans un côté plus Monty Python, mais pour la même marque, il y avait ça où là c'est vraiment plus le collage Monty Python, quoi. Ouais, à fond. Tu vois, dans le et je trouve ça chouette de pouvoir encore aujourd'hui se le permettre, pouvoir refabriquer avec des trucs qui ont plus rien à voir d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Par contre, ouais, j'ai essayé de... Au niveau du bruitage, là, on ne peut pas entendre, mais c'est moins Monty Python, quoi. On n'a pas fait les bruitages à la bouche, même si j'aurais adoré pouvoir faire des voix débiles en arrière. Mais ça reste... ouais. Du coup, après, moi, c'est ce genre de choses. Je pense que j'avais le storyboard de cette... d'une... Un truc comme ça, où en gros, c'est vraiment, au final...
je pense que les storyboards, dans la manière dont je les aborde, ils sont assez proches du résultat final où j'essaie de les creuser. Oui, parce que tu ne fais pas juste un story en dessin, c'est carrément avec les images de recherche. Ouais, même si c'est de la maquette et que les choses, certains éléments vont bouger, je pense que c'est quand même important. Après, il peut y avoir une phase de vraiment croquis hyper à l'arrache, etc. Mais souvent, ça va être quand même ça. Et où, où on comprend vraiment plus l'ensemble, l'ensemble de la vidéo, quoi. J'essaye de réfléchir à d'autres choses que je pourrais vous montrer. Là, ça va être toujours de l'habillage. C'était notamment un documentaire pour la bataille de Habillul. Donc, comment est-ce que la... En gros, rapidement, la loi... pour légaliser en fait vraiment la pilule est passée et du coup il y avait ce côté très dans l'habillage une contrainte de temps une contrainte temporelle qui est super intéressante je trouve là il y avait vraiment le côté esthétique 60s à fond quoi et où, où l'idée c'était vraiment de reprendre des codes où, que ce soit au niveau de la typographie en fait qui est une typographie qui a été créée à la même année que enfin qui avait quelques années d'utilisation quand la loi est passée etc mais on se replonge vraiment dans un contexte une ambiance carrément où il y avait vraiment juste ce côté très de code code graphique mais en essayant d'être quand même un petit peu ludique bon ça au niveau de la lisibilité avec du recul je me dis c'était pas top du coup on a clairement revu les choses sur les versions finales mais ça c'était on va dire la première phase où on essaye un peu de défricher et d'aller trop loin quitte à faire trois pas en arrière ensuite remonter le curseur tranquillement carrément. Ouais, c'est cool ça. Bah, à la limite, on peut peut-être regarder la bataille de la pilule. Enfin, je sais pas si tu l'avais dans les titres. Ouais, il y avait un extrait, je pense, qui avait été. Il me semble que je l'avais vu passer, ouais. Qui avait été posé après le. C'était vraiment un générique d'ouverture où là encore, beaucoup d'images d'archives. Mais on sent. C'est un vrai côté, la linéa, pour le coup aussi. Ouais. c'est exactement ça. C'est facile comme remarque. Ouais, mais c'est. Il y avait cet aspect-là où, en fait, même au niveau de la voix, il y a vraiment un discours qui est prononcé. Et à côté de ça, on va tisser. Mais là, je pense que la partie graphique, elle est peut-être moins visible sur le générique que sur vraiment les séquences de reconstitution, les photos animées, etc., qu'il y avait tout au fil du documentaire après, quoi. Mais juste ces témoignages-là, je les trouve... fou quoi, ils sont assez. Ouais, c'est clair. Sur ce, enfin, le côté avoir les deux mecs qui discutent. C'est toujours, même quand tu vois les coupures de presse à l'époque, il y avait vraiment quelque chose de super particulier quoi. Mais ouais, c'est toujours un petit peu cette approche quoi, d'essayer d'accompagner l'auteur et le réalisateur dans quelque chose qui va coïncider avec. Avec son approche du sujet, quoi. Ouais, il y a ce carrément. Truc qui semble quand même... au niveau... Justement, on était en train de parler du fait de, des fois, revenir en arrière et dans la phase d'exploration, quitte à aller trop loin et ensuite épurer. Là, on a vu Floating, du coup, la dernière vidéo. Et j'avais quelques planches de recherche. Vas-y. Où c'était vraiment du... Ah oui, non, t'étais parti beaucoup plus loin en termes de couleurs, beaucoup plus chargé. Il y avait quelque chose qui était vraiment... mais beaucoup plus aussi dessin animé, film d'animation, et où c'est vraiment petit à petit que t'as juste, je pense, les curseurs et que t'arrives à ce moment où tu te dis, bah, en fait, on n'a peut-être pas besoin de tout ça, et peut-être que simplement un ou deux éléments accompagnés d'une texture, bah, on est dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la poésie que ce truc un peu massif, même si moi, ces explorations, elle m'intéresse toujours. Elle te parle quand même et tu arrives à te retrouver dans les deux thèmes, que ce mais soit là. Mais c'était moins adapté, on va dire, avec les images qui avaient été tournées. Mais c'est drôle de se dire à un moment toutes les directions que ça aurait pu prendre et à un moment de juste devoir trancher un petit peu. Faire le vrai choix d'édition. Carrément. Ça va partir. Ça, on va le garder. Du coup, tu avais quand même les premières recherches de dessin sur l'image. Ont été faites une fois que tu avais déjà les plans ou c'était des... Ouais, on a commencé à shooter, en fait. Et à partir de ces images-là, on avait quand même cette idée de...
reprendre le motif de la femme au bain, quoi, qu'on retrouve un petit peu tout le temps. Et du coup, il y avait ce truc-là et cette volonté-là de le moderniser, de le... surtout l'actrice là, qui modèle Lola Viande, elle est hyper présente sur les réseaux sociaux. On sent qu'il y a vraiment ce truc-là un petit peu. Donc, comment est-ce qu'on allait mélanger différentes chronologies, on va dire. Mais c'est vraiment ensuite sur Photoshop, à partir des images, que je me suis laissé une sorte de plage d'exploration. Ouais. Mais ouais, c'est venu dans un second temps. Et du coup, toute la partie dessin, c'était toute la partie dessin animé. Ouais. C'est sur Photoshop ou sur After ou C'est sur Photoshop. Ouais. C'est vraiment avec la Cintiq. Après, la partie montage, ça, c'est Premiere, After. Mmh. Mais chaque plan, je le sortais, je le mets sur, sur Photoshop. Et c'est de l'anime, image par image, tradi, avec... je crois que c'est Anime Toolbar, enfin, du coup le petit plug là, qui te permet de ne pas faire les 20 milliards de manip et d'être dans du raccourci. Et de juste t'occuper de rajouter les images dont tu as besoin. C'est pas mal ça quand même. Et du coup, c'était vraiment ça le process. Après, je le réintégrais sur After et là, il y avait un travail de compositing, même s'il était assez léger. Mais toi, sur la première partie avec les télévisions, il y avait vraiment cette volonté d'avoir un côté un petit peu entre la VHS et juste le côté où on sent les pixels pour qu'ensuite, quand on part dans la rêverie et l'animation tradie, on soit dans quelque chose de beaucoup plus cotonneux et qu'il y a un petit peu ce basculement d'univers, quoi. C'était l'idée. Mmh. Ouais, c'est très bien, ça. C'est très, très chouette. C'était un peu le... Mais ouais, après, je pense sur Instagram, je me rends compte que je fonctionne beaucoup par expérimentation en petits morceaux, même si c'est des loops. Alors, c'est peut-être les restes du vidging où on a tendance à penser ça dans la répétition. Mais après, les trucs que j'explore, c'est vraiment après plutôt là-dessus. Alors, je sais pas si ça vaut le coup d'aller... Vas-y, je pense. D'aller voir. Mais... Il y avait notamment, je pense, un truc qui est en ce moment toujours mélange de prise de vue réelle et d'animation, des archives qui sont libres de droit, où tu sens que c'est vraiment ou des vieux films de vacances, des trucs amateurs, tu vas avoir des publicités, tu vas avoir des trucs plus institutionnels. Là, il se trouve que c'est vraiment un film d'amateur qui a été tourné, et c'était de voir comment est-ce qu'on allait pouvoir un petit peu les réactualiser ou en avoir une autre approche plus... En remettant en place du paint over complet. C'est ça. Et tout en gardant quand même ce truc de où on sent la matière et la texture de l'époque, de l'archive, quoi. Et c'était un petit peu, enfin, ce genre de choses. En tout cas, en ce moment, j'essaye de creuser un petit peu, voir ce qui peut en sortir. J'ai l'impression que ça nous permet de nous concentrer en fait à nouveau face à des images qui sinon passeraient un petit peu inaperçues ou seraient un peu oubliées, quoi. Donc il y a vraiment ça. Après, toujours dans l'image d'archive, sur Internet, on trouve quand même des pépites. Et je suis notamment tombée sur une sorte de collection de vieilles boîtes d'allumettes en indienne. Et tu avais ce côté-là où ils sortaient leurs boîtes d'allumettes et c'était toujours les mêmes, mais avec des mini-itérations et des mini-déclinaisons en fonction des artistes qui venaient se les récupérer. Qui devaient s'inspirer du personnage. Exactement. Donc là, c'est par exemple une personne qui... Enfin, c'est une illustration de boîte d'allumettes, mais étendue sur plusieurs années. Moi, j'ai une collection du coup immense de ces images. Et là, c'est vraiment du montage. Donc techniquement, c'est rien du tout, tu vois. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que quand tu les superposes et que tu recrées en fait une sorte d'effet de stop motion avec des images d'archives issues un petit peu de différents endroits, quoi. Donc après, ça prend un temps fou d'essayer de retrouver le motif. Et il y a un peu le côté, je pense, asperger, limite OCD, tu sais, qui est en train de là, j'ai trouvé cette image, je suis trop content, et d'essayer d'en faire quelque chose. Mais alors, est-ce que t'as compté tes images? Non, mais si je fais ça, je pense que j'ai peur et je me dis que j'ai un problème dans l'accumulation d'images que je trouve, tu vois. Au final, c'est que des octets cachés sur des disques durs, c'est pas forcément... Mais oui, non, il n'y a pas de... Du coup, ça c'est vraiment après un peu de... Là, c'est un test d'un pitch qui a été refusé, mais où je trouvais ça intéressant parce que l'idée... Enfin, moi, j'ai la chance de partager un atelier avec trois autres personnes qui sont aussi réalisateurs de génériques ou réels de documentaires et qui accumulent plein de vieux projecteurs, vieux écrans, de lentilles, etc. Donc, c'est un peu l'occasion à chaque fois de tester, d'expérimenter et de bidouiller des trucs. Et là, notamment, c'était... Je pense que maintenant les gens voient. Mais tu sais, les rétro-proges qu'il y avait en classe où tu poses tes feuilles de rhodoïdes. Et je pense que ça. Les plus jeunes ne voient plus fatalement. Mais c'était quand même hyper drôle. Et là, en gros, c'est de. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé
des gélates colorées, quoi. Ouais. De films. Ouais, c'est ça, de vraiment créer cet effet de flou. Et je viens refilmer par... c'est de la prise de vue de l'écran que je suis en train d'animer à côté, où tu peux vraiment jouer sur ces dégradés-là. La sensation, c'est que l'écran de projection, là, la qualité est vraiment pas... folle sur un micro perlé et de refléter la lumière pour pouvoir ressortir le plus et du coup ça c'est des images où je trouve qu'on peut pas du tout dans ce mélange entre logiciel, prise de vue, etc. Ce côté analogique et de retrouver la texture impossible à retrouver sinon, c'est quand même quelque chose qui, enfin, que je trouve fascinant quoi, dans ce... donc il faut encore que je trouve un moyen de l'utiliser là pour l'instant ça reste hyper, hyper flou mais ouais, j'aimerais bien continuer à creuser un petit peu ça quoi dans cet aspect-là. Ouais, c'est marrant parce que vous êtes tous à fond sur la réalisation de cours avec beaucoup de choix graphiques, visuels et autres. Et il y a toujours le passage du numérique à l'analogique où on revient forcément... Mais ouais, je pense qu'il y a ce truc-là, mais qui doit être présent aussi en musique, tu vois, ce truc de trouver la vieille machine et le vieux synthé qui va avoir ce son hyper particulier de texture et qui nous plonge dans une ambiance. Bah, je pense qu'en motion design, je suis contente qu'on en arrive à là aussi et qu'on s'écarte un peu d'une esthétique de tuning qui a pu être quand même hyper importante pendant super longtemps. Et là, on sent que ça va un petit peu dans des directions différentes. Enfin, là, je suis intervenante parfois au Gobelin et où je me rends compte que les jeunes qui sont en formation là, contrairement même à il y a quelques années où il y avait une esthétique hyper déterminée, là les gens n'ont pas du tout peur. Enfin, moi je suis toujours hyper impressionnée de voir qu'ils vont vers le stop motion, vers de la prise de vue réelle et que c'est beaucoup plus explosé que je pense ça a été en tout cas à une époque. Quoi. Donc c'est en train de. C'est peut-être. Y a peut-être aussi une prise de conscience de la part des nouveaux que tout n'a pas été fait. C'est ça, et qu'il y avait du bon à prendre du avant logiciel. Il y avait qu'il n'y a pas que la technique dans la vie, qu'il y a des inspirations. Je pense que on essaye de participer un petit peu à ça aussi quand on échange avec Cook sur le motion plus design et autres, sur le côté partage de contenu, partage d'infos. Carrément. Et c'est vrai que je trouve que, en partie, quand tu vois à chaque fois les gens qui viennent parler ici, cette phase de recherche et d'expérimentation et de bidouillage, que quand tu vois le résultat, tu t'attends à quelque chose qui est vraiment dans une sorte de minutie et de perfection et tu dis, mais tout est calibré. Et qu'en fait, quand ils te parlent de leur process, tu te rends compte qu'il y a ce truc, cette première phase exploratoire qui est juste, je suis allée chercher ça au magasin d'à côté, il nous manquait de la farine, donc après je l'ai mis ici. Et du coup, je pense qu'il y a aussi ce côté un petit peu super de bidouille ludique, quoi, qui revient au cœur et qui est pas mal, qui est assez intéressante. Oh, j'ai l'impression qu'il y a une... Un glitch dans la matrice. Ah, on a perdu Safari. Ouais. Il en a eu marre de regarder les vidéos. Ouais, c'est ça, il s'est dit... Il s'est fait peur, il a dit arrêtez de me couper le son. Ah oui, il a carrément coupé, je pense que c'est un signe. C'est un signe, c'est le signe qu'il est 24. Ça allez, on va remettre le tigre en arrière-plan. Ouais, qui a l'air d'être pareil, hein, image... Image fixe. Image d'archive à fond. Après, peut-être du coup... Vas-y. Un tout dernier projet, où là avec c'était plaisir. Vraiment une carte blanche avec un metteur en scène qui est. C'était pour le théâtre de la comédie de Clermont-Ferrand, donc un TDS qui va s'ouvrir dans 2 ans. Ils ont récupéré un vieux théâtre, ils sont en train de faire les travaux. Mm-hmm. Et l'idée de cette carte blanche, c'était que Johan Hibert, donc le metteur en scène, suive les travaux avec sa marionnette pendant toute la durée. Du coup, il y a un peu ce côté série documentaire qui évolue, et notamment sur un épisode d'avoir de. Où c'était un épisode qui se concentre sur vraiment les travaux qui commencent, donc avec des plans hyper larges, et où de fait, sa marionnette qui fait cette taille ne pouvait pas s'intégrer tout à fait de la même manière. Donc on est parti sur cette idée d'avoir vraiment une animation qui va venir jouer avec le décor, jouer avec le paysage. Donc là encore, c'est de l'anime sur de la prise de vue. Mmh. Et où il y a ce côté un petit peu... en plus, il, le son il est... Il n'a encore rien dit. Mais il allait le dire. Non, ah oui. Bravo. Et où tu as eu vraiment ce côté, ce décalage entre une anime toujours sur Photoshop, hyper, où on sent vraiment les traits et un peu à l'arrache, entre guillemets, qui va jouer avec ces décors et cette échelle-là beaucoup plus grande, quoi. Donc c'était un peu cette idée-là de toujours partir de contraintes, que ce soit de l'archive ou de la prise de vue, et de voir comment est-ce qu'on va la détourner et comment est-ce qu'on va en détourner le sens Le sens, la manière dont c'est construit.
Ouais, c'est cool. C'est très, très, très sympa. Du coup, voilà. Mais la vidéo me semble peut-être... On peut la laisser couler pendant qu'on repasse en plus grand dessus. Merci beaucoup de nous avoir partagé un peu les making-of, les behind-the-scenes de tout ce que tu mets en place. Alors, c'est vraiment un petit aperçu. Il faudra qu'on prenne le temps de regarder comment tu fais en vrai, posé sur la tablette et qu'on prenne un petit peu plus ce temps-là. On va continuer donc notre après-midi sur Motion Plus. Là, on avait un premier lien. Donc, pour les gens qui nous suivent sur le direct, vous restez connectés. On va vous mettre dans le chat dans quelques instants le lien de la deuxième session de 15h30. Comme ça, vous pourrez continuer à nous suivre et vous pourrez retrouver la suite. Les artistes que je vais recevoir dans quelques minutes. Donc, le suivant, ce sera Frédéric Collin. Ensuite, nous enchaînerons. Alors, attends, si tu peux passer sur mon écran, Richard. Hop. Merci. Du coup, donc l'artiste, on a reçu donc Peter Clark en analogique, on a reçu Friendly Robot, Philippe Carvalho. On vient juste d'avoir Anaïs Mac que vous avez vu avec nous pendant quelques minutes. Et je vais recevoir donc sur le deuxième chat Frédéric Collin, Nina Lugacati, Nick Denbauer et Annie Savé, pardon, pour la suite de notre session. Merci à tous, restez avec nous et à tout de suite. Ok, le son est coupé, merci.